Hello mes citrons, j'espère que vous allez bien et moi je vais très très bien. Et en fait, je suis allée un petit peu me renseigner pour savoir comment on fait pour enlever tous les amis d'un coup. Alors j'ai longuement réfléchi en me demandant si c'était une bonne idée ou pas. Et finalement, plusieurs raisons m'ont fait rendre la raison. C'est très le français, bonjour. Mais bon, ça va, c'est les vacances, l'école c'est fini. Hein, on reprendra le français en septembre. Mais plusieurs raisons qui m'ont dit de ne pas le faire. Alors la raison principale, c'est que je me suis dit qu'il y a des gens justement qui m'avaient dit que si je les enlevais des amis, ils pourraient plus me réaccepter ensuite puisque ils sont plus VIP et du coup ils ont plus de place en amis. Deuxième raison, il y a des gens qui le prendraient mal. Et troisième raison, tout simplement il faut utiliser un logiciel. Et moi je ne fais pas confiance au logiciel parce que voilà, vous donnez votre mot de passe, etc. Un logiciel qui peut être accordé à quelqu'un et ce quelqu'un ensuite peut réutiliser vos coordonnées. Donc à moins d'utiliser ce logiciel comme dans la plupart des vidéos qu'ils en parlent sur un compte secondaire, il est peut-être pas, c'est peut-être pas une bonne idée de l'utiliser sur, sur un compte principal comme le mien surtout. Parce que voilà, ça fait quand même plus d'un an que je suis dans le game hein. Bref, et merci Jolima34 pour la salutation, merci beaucoup. Je te fais un très très gros bisou, merci énormément. Et du coup, je me suis dit, bon, on va repartir sur l'idée que j'avais à la base. Je vais vous expliquer, on va aller dans les meilleurs scores, mais naturellement, pour voir tous les amis, tous les friends. Alors, en principe général, je fais pas trop les personnes qui sont... dans le top, je ne fais pas de... Comment dire? Je ne vais pas les vérifier, etc. Si on discute, parce qu'en général, c'est soit des youtubeurs, soit des gens qui ont beaucoup d'amis. Et du coup, qui eux-mêmes n'ont pas le temps forcément de venir me parler ou quoi. Donc, je ne fais pas très attention au meilleur score. Hein, donc, parce que c'est du favoritisme. C'est pas vrai. C'est juste que je pense qu'ils sont un peu comme moi. Dans le caca, voilà. Donc en général, je vais tout ce qui est en dessous de moi, en dessous de mon niveau, et encore, j'ai envie de te dire que même en dessous de mon niveau, y a des gens qui ont du mal. Je pense qu'ils bug et qu'ils n'ont pas forcément le time pour moi. Hein. Mais bref, voilà, je rappelle encore une fois que ma chaîne, elle est là, enfin, MSP, je veux dire, enfin... Bon, le français, bonjour. Comment dire que je suis sur MSP grâce à vous, grâce à ma chaîne YouTube. Jamais j'aurais peut-être été sur MSP si vous m'aviez pas demandé lors d'un de mes lives quand je joue aux Sims d'aller tester MSP. Et du coup, les places que j'ai en amis, c'est surtout pour les gens qui sont sur ma chaîne YouTube également. Voilà, donc il y a peut-être des gens qui m'ont ajouté sans savoir que je suis sur YouTube. Moi, à ce moment-là, pas de souci. Si, bien sûr, ces personnes voilà, avec qui je parle, etc. Mais il y a des personnes qui m'ont ajouté une fois en venant sur un de mes lives qui se sont tout simplement perdus, je pense, et qui m'ont demandé en ami, que j'ai accepté et que par la suite, il n'y a jamais eu rien de... Voilà, qui ne s'est rien passé derrière, on ne s'est jamais parlé, etc. Son pseudo ne me parle pas, etc., etc. Donc, je vais essayer d'être objective. Après, voilà, si vous êtes, vous regardez cette vidéo et que je vous ai enlevé de mes amis pendant cette vidéo... ne le prenez pas mal, demandez-moi juste en ami à nouveau, et puis voilà, comme ça c'est fait. Bon, après voilà, il y a des pseudos, comme par exemple Otalipo, je m'en rappelle bien, que je ne vais pas vérifier. Bon là, Francisca, pareil, hein, je vais pas l'enlever, donc c'est même pas la peine que j'aille voir. par exemple, Mimi Brie, tu vois, ça me dit rien. Je vais voir si on s'est parlé, s'il y a eu quelque chose. Bon, en même temps, j'envoie des petits autos par-ci, par-là, histoire de... Voilà, quand j'ai le temps, toutes les deux minutes, si je peux, je le fais. Bon, c'est vrai qu'entre deux, je ne pourrais pas non plus. Donc là, je vais voir. Ouais, le problème, c'est que si je fais ça... Bon, ouais, vous voyez, elle m'a quand même pas mal aidé, donc je vais pas l'enlever de mes amis. Ouais, mais le souci aussi, c'est quand je dis qu'un pseudo me parle pas, c'est tout simplement la personne sur YouTube a pas le même pseudo. Et ça, c'est un peu chiant, parce que du coup, je ne peux pas des fois assimiler le pseudo YouTube au pseudo MSP. Et ça se fait, c'est des gens qui sont là H24 sur mes lives. Et que je ne... Enfin, que sur MSP, après, je ne vois pas. Voilà. Par exemple, Cœur 25, on va les voir. En général... Hein, qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça a pas ouvert la conversation avec... Attendez, on réessaye. Vous voyez que ça va me prendre énormément de temps, sachant que j'ai 2500 amis. Bonjour. Voilà, qu'est-ce que ça le plus belle, merci. Vous voyez, par exemple, ça fait 3 mois qu'on s'est plus parlé, qu'on n'a plus rien fait. Franchement, bon, c'est dommage, hein, parce que je n'ai pas répondu. Et bon, c'est compliqué. Mais voilà, ça fait 3 mois qu'on a rien fait, qu'on s'est pas parlé, etc., etc. Donc je vais l'enlever de mes amis. Après, je rappelle bien sûr que s'il y a une personne qui
est partie en vacances pendant 3 mois, ça peut arriver. Si elle revient et qu'elle me remet un ami, je ne vois pas où est le problème de la réaccepter. Ouais, par exemple, le mètre 99, ça me parle pas non plus. Mais on va envoyer un message, parce que des fois, justement, il y a des gens envoyés, regardez. Je l'ai en ami, mais on ne sait jamais parler, rien, quoi. Donc voilà. Le mieux, c'est, vous en général, je laisse quand même 30 jours, un mois, quoi. Enfin, un mois pour avoir une interaction. Sinon, j'enlève des amis. Je vous demande pas non plus, je vous demande pas de m'envoyer un auto, rien en fait, c'est même pas un auto, pas de salut, etc. Pour vraiment, je vous laisse dans mes amis, mais au moins un petit message, un petit coucou, une fois par mois, juste histoire de dire que vous êtes encore actif, que vous regardez encore ma chaîne, que je suis encore vivante, hein, pour me sentir vivre. Mais en gros, ça sera ça le tri. Alors, parce que pour, bah, Poploli, voilà, je vérifie pas, hein, Poploli, hein, toi-même, tu sais. Voilà, et des pseudos, j'ai même pas besoin de vérifier parce que ça me parle tellement en fait. Bon après, bon, c'est un petit peu dommage parce que forcément, les gens qui m'envoient beaucoup de salutations, qui sont beaucoup sur mes lives et qui ont le même pseudo dans le game que sur YouTube, bah je les remarque plus. Hein. C'est pas méchant. Voilà, donc là, bon, je vais le laisser parce que, bon, un mois c'est limite, mais un mois on garde. Hein. Est-ce que je peux lui envoyer un petit auto? Ouais, si je peux renvoyer un petit... Quoi? Ah, oh, sérieux? Oh mon dieu, en tant que membre VIP, tu peux signer un autographe toutes les 15 minutes. Il reste 13 minutes avant que tu puisses signer un autre autographe. Ah, bah je pense que je suis en train de carburer au ticket VIP là. Je pense que je ne suis plus VIP et je carbure au ticket VIP. Oh mon dieu. Oh la quinzaine. Oh merde. Mais ça veut dire que je peux encore avoir les 3500 amis, j'espère. Attendez. Attendez. Oh mon dieu. Ah non, bah c'est bon, si je suis VIP, peu importe le VIP qu'on a, on peut avoir 3500 amis. Oh mon dieu. Oh mon dieu. J'apprends que je ne suis plus star VIP. Oh my godness, je n'ai pas remarqué. Bref, c'est pas grave. C'est pas bien grave, je suis encore VIP. Je sais pas combien de temps il me reste de VIP. Oh mon dieu, parce que je me rappelle que c'était un peu vers les vacances, ouais, que je m'étais mis un an star VIP. Et que le un an, il est passé très très vite. Oh my godness. Bref. Alors, on va aller voir pour ma... Bah, du coup, je peux plus vous envoyer des autos toutes les 2 minutes. Oh voilà, ça fait 2 mois, vous voyez. Coucou, ça va, je t'adore. Bah, c'est super sympathique. Mais bon, voilà, ça fait quand même 2 mois qu'on se parle plus. C'est pour ça que je préfère quand même essayer de laisser de la place aux personnes qui sont encore actives. Et en plus, je vous l'ai dit, hein, je vous l'ai dit dans les derniers lives. Et si vous êtes encore sur MSP, n'hésitez pas à essayer de m'envoyer un petit message. Bah, Nex, qu'est-ce que tu fais? Tu fous dans mon sac? Nexio, qu'est-ce que tu fais? Il me regarde en mode j'ai rien fait, c'est pas moi. Bon, ce qui est chiant par contre quand je fais ça, c'est qu'après, hop, si j'ai enlevé 2 personnes, ben, y a des gens qui réapparaissent ici. Donc, aussi le tous, on va les voir. Ok. On n'a pas envie de me laisser faire la vidéo. Bonjour, merci, au revoir. Attendez, je vais répondre. Allô, maman? Allô, oui, bonjour. Mademoiselle, je suis tout pour moi. Je voulais te dire que les pommes de terre sont en train de cuire et je voulais te demander si tu peux faire les carottes. Ok, je m'en occupe. Bah, tu peux les faire? Oui, je finis ma vidéo dans 2 petites minutes et puis je m'en occupe, ok? D'accord, ouais. T'as le temps parce que les pommes de terre sont en train de cuire. Donc, bah, j'ai épluché déjà les carottes, c'est juste qu'il faut passer. Ouais, à la machine, ouais. Ok. Et qu'est-ce que je veux dire? J'ai encore un avocat, hein, pour manger aujourd'hui. Hein. Ok, ça marche. Ça okay. Marche, ben, je t'attends là. Hein. On mange chez moi. Hein. Ouais, j'arrive. Non, pas longtemps, ok? D'accord, je laisse ouvert. Hein. Ok. Eh, puis tout à l'heure. À plus tard. Ciao, bisous. Merci. Bon, ben voilà, vous avez assisté à ma conversation. Oui, je vais manger chez ma mère aujourd'hui. Et ma mère et ma voisine, voilà, donc elle a laissé la porte ouverte. Si vous voulez bien sûr venir manger des patates et des carottes avec nous, vous êtes les bienvenus. Bref, en fait cette vidéo elle tourne à la n'importe quoi tease. Depuis tout à l'heure je fais n'importe quoi, je lis n'importe quoi, j'ai appris que je suis pas VIP, ma mère m'appelle, je réponds en live. J'ai mon chien qui fouille dans mon sac. Nex, qu'est-ce que tu fais? Mon chien qui se barre avec ma couette pour la bouffer dans le coin. Ben c'est n'importe quoi. Non Nex, tu ne fais pas ça. Non, non, tu ne bouffes pas ça non plus. T'arrêtes tes bêtises. Bref, bah en fait c'est surtout pour vous montrer la technique avec laquelle je vais faire maintenant mes tris.
Donc si vous avez vu cette vidéo, comme j'ai dit, envoyez-moi un petit message histoire que je sache que vous êtes encore actif. Voilà, donc directement sur MSP. Donc maintenant, ce sera pas en commentaire sous la vidéo comme je faisais d'habitude, hein, ce sera directement... voilà, je regarderai s'il y a eu des interactions ou pas ces derniers temps. Donc si vous m'avez envoyé plein de salutations, etc., normalement je devrais me rappeler de vous, mais envoyez quand même un message parce que au cas où c'est Lalo qui m'aide à faire le tri, Lalo, elle se rappelle pas forcément de qui m'a aidé au niveau des saluts et tout. Donc envoyez-moi quand même un petit message rapidou, genre même un petit coucou, même un petit smiley, je m'en fous, bref, ce que vous voulez. Et bah écoutez, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de cette vidéo. En plus, j'ai la dalle, donc il faut que j'aille râper des carottes, vous voyez. Donc sur ce, je vous laisse, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain live. Bisous à vous, ciao ciao.